Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission sur Dabaro TV. Le dimanche 29 janvier 2023, un accident de circulation impliquant un bus de transport en commun et une camionnette a eu lieu à Dassazoumé dans le département des Collines. Un drame dans lequel plusieurs personnes ont trouvé la mort, des personnes brûlées ou calcinées avec à la clé plusieurs dégâts matériels enregistrés. Et selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 1er février 2023, le conducteur du bus aurait perdu le contrôle de son volant suite à l'éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule déséquilibré de ce fait aurait dans sa course percuté la camionnette qui roulait au sens inverse et immobilisé en pleine chaussée avant de prendre feu. Face à la situation justement, le gouvernement entend prendre des mesures radicales pour combattre la recrudescence des accidents de circulation. Quelle solution alors pour ces bus et camions, source de plusieurs cas d'accidents sur les axes routiers? Qui donne des moyens de secours des sapeurs-pompiers de cette localité qui n'ont visiblement pas réussi à venir au secours de ces personnes qui étaient en difficulté? Le sujet sera décortiqué par deux journalistes déjà sur ce plateau. À ma gauche, j'ai David Kabar, il est journaliste, expert en décentralisation. David, bonjour. Bonjour, Bayo. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. À ma droite, j'ai Barnabas Orokouma, il est journaliste promoteur du groupe de presse Dabaro. Barnabas, bonjour. Bonjour, Ismaël Balogou et bonjour à tous les internautes. Merci également de répondre à notre invitation. Voilà, le dimanche 29 janvier, un accident à Dassazoumé. Voilà, et quelle lecture, que dis-je, quelle analyse faites-vous de ce drame qui a plongé le Bénin dans un deuil national? Merci beaucoup, chers confrères. Je tiens tout d'abord à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs proches au cours de ce drame. Présenter mes condoléances également à la nation béninoise qui a perdu de vaillants compatriotes, des personnes très importantes pour le développement de notre pays qui sont parties, ces éminents cadres qui sont partis au cours de ce drame. Alors, l'analyse que j'en fais, c'est que, premièrement, au Bénin, nous n'avons pas des routes dignes du nom. Pour une route inter-État qui réunit, qui dessert les pays de l'Interland, on mérite d'avoir une route en deux sens, à défaut d'avoir une autoroute. L'autre chose, c'est que c'est inadmissible que en 2023, nous soyons dans un contexte où la traversée des villes soit en route à double sens. C'est pas normal. Dassa est une très grande ville. Dassa est une ville carrefour. La route Dassa, Parakou a été reconstruite il n'y a pas longtemps. On ne peut pas mettre une route assez exiguë comme celle-là pour traverser une ville comme Dassa. L'autre chose que je, l'autre analyse que je fais, c'est que il est anormal qu'une ville comme Dassa, chef-lieu de département, soit sans sapeurs-pompiers, voilà, ou du moins avec des sapeurs-pompiers sans matériel. L'autre analyse que je fais enfin, c'est que nos compagnies de transport doivent pouvoir être sérieuses avec elles-mêmes, sérieuses avec nous, les clients que nous sommes, et préserver nos vies en assurant un certain minimum de sécurité, en contrôlant la pneumatique, certains aspects de leur bus avant le démarrage. Et l'autre chose, c'est que nous devons nous plier à la volonté de Dieu et se dire que c'est lui qui a permis que cela arrive, parce que ce même bus, ce même conducteur depuis 2013 a l'habitude de faire ce chemin, mais jamais un tel cas n'est arrivé. Quelque part, c'est la volonté de Dieu et nous devons nous soumettre à cela, à côté, voir ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à revoir. David Kaba, votre vis-à-vis parle de la volonté de Dieu pour vous. Bon, écoutez, je pense que c'est d'abord la volonté des hommes, hein, au-delà de tout, parce que ce n'est pas Dieu qui a créé l'incident, mais plutôt un homme qui était au volant. Ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de ce que Barnabas Saïd a évoqué, les trois cas qu'il a évoqués, à savoir l'axe de les routes. Moi, je vais beaucoup plus me focaliser sur les compagnies de transport. Vous et moi avions été, une fois, vous alliez à Cotonou, moi j'allais à Boïcon, que nous avons connu une panne à quelques mètres de pont péage. Et vous et moi savons
comme tous les autres Béninois, que ces compagnies-là ne sont rien d'autre pour moi que des cercueils à roulettes. C'est-à-dire, c'est des mouloirs. Des gens qui se fichent complètement des conditions de vie de leur voyage de leur clients et qui veulent simplement s'en mettre plein la poche. Je pense que la compagnie qui a été auteur de cet accident-là c'est quand même une des compagnies les plus sérieuses. Je ne fais pas de la publicité à cette compagnie-là, mais c'est une des compagnies les plus sérieuses. Et lorsque il y a, par exemple, on entend le deuxième ou le troisième communiqué qu'ils ont accouché, oui, on lit que c'est des gens qui, plus ou moins, quand même, étaient en règle. Parce que on dit avoir changé les deux pneus avant. Avoir fait la visite technique. Les pneus n'ont même pas fait 19 000 kilomètres. Voilà. Donc, on voit que, et d'ailleurs, c'est la seule compagnie qui, sur le parc de Parakou, a, c'est pas trop dit, une infrastructure bien digne du nom. Et donc, il revient juste à remettre sur les normes exigées par la matière, toutes ces compagnies-là, qui font quand même ce transport-là. Mais, appeler aussi beaucoup plus à la prudence des chauffeurs. Et pour le reste, je crois que le gouvernement est en train de prendre déjà en tout cas ses responsabilités. Mais ce chauffeur n'est pas à son premier voyage quand même. Oui, mais vous savez, il y a parfois des jours, on se lève et on ne fait pas des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses qui peut-être peuvent expliquer ça, mais toujours est-il que nous devons faire très attention. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause pour suivre cet élément réalisé par l'équipe de la rédaction, toujours dans le sens, dans le cadre de cet accident survenu à Dassazoumé. Un dimanche comme les autres, un voyage comme d'habitude pour la compagnie de transport Baobab Express, le 29 janvier 2023. Venu en week-end pour diverses raisons pour les uns, en partance pour Boïcon, Calavi, Cotonou et autres avec des objectifs bien clairs pour d'autres, les passagers de l'une des compagnies de transport les plus sécurisées s'attendaient à un voyage comme à l'accoutumée. À midi, heure de départ de la gare routière, ils ont appelé parents, amis, collègues, avec la promesse de les retrouver très prochainement. Sur environ 420 km, c'est après avoir parcouru exactement la moitié de la distance, soit environ 216 km, que l'imprévu survint. Pour des raisons non encore confirmées, le bus transportant près de 40 âmes percute un camion et prend feu. Des cris de détresse aux pleurs incessants, au milieu de flammes infernales, Dassazoumé est devenu en quelques minutes l'épicentre d'un drame inédit. Des témoins impuissants devant l'intensité des flammes rouge-jaune et une fumée aveuglante n'ont eu d'option que d'immortaliser un moment triste. Les pompiers, le dernier recours s'amène sur les lieux, mais eux aussi impuissants face à la faiblesse de leurs équipements, n'ont pu éteindre que du charbon d'homme. Consternation totale, des familles déboussolées, l'inquiétude s'empare de tous ceux qui avaient une connaissance dans ce bus. Les réseaux sociaux amplifient la situation. Des images horribles commencent par circuler. Des personnes brûlées,
calciné, le bus irrécupérable. Dans la foulée, quelques rescapés récupérés et envoyés d'urgence aux soins. Le bruit des ambulances devient le son qui résonna dans ça. C'est un dimanche noir. Le Bénin vient de perdre des cadres. Des enfants ont perdu le papa ou le maman. Des enfants brutalement et prématurément arrachés de leurs parents. Plusieurs personnes ont perdu leurs collègues ou amis. Le Bénin pleure Ousmane Afo, cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Dr. Rosène Yegbeme, jeune enseignant-chercheur, Fortuné Biaou, directeur exécutif de l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin, Adama Bouyé, infirmière à la clinique divine miséricorde d'Abomey-Calavi, Pascal Dorumbo, conseiller à la Cour suprême, Pacom Elé, nouveau berger national du renouveau charismatique du Bénin, plusieurs membres du Lions Club International et bien d'autres. Qu'ont-ils fait pour mériter une telle fin? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une telle situation arrive? Qu'est-ce qui a pu occasionner cet accident? Que deviendront ces nombreuses familles qui ont perdu leurs parents? Voici autant d'interrogations qui resteront sans doute sans réponse. Parce que la vie semble se résumer à ça. Une multitude de questions sans réponse. S'il est urgent de situer les responsabilités, il est encore plus urgent de doter les unités de sapeurs-pompiers d'équipement, de penser à la construction d'un réseau routier digne, et enfin, d'engager des réformes dans le secteur des transports en commun au Bénin. Repos éternel aux âmes des personnes disparues dans cette tragédie. Du courage aux familles, proches des défunts et à la nation béninoise. Retour sur ce plateau, chers invités, vous avez suivi avec moi les circonstances, que dis-je, les dégâts de ce drame survenu. Et à en croire le gouvernement, la cause de cet accident est due à l'excès de vitesse. Je cite le porte-parole du gouvernement qui dit « Les premiers éléments d'analyse postulent en considérant le lieu de l'accident en pleine agglomération que le bus roulait à vive allure. Il a été d'ailleurs signalé que le conducteur de ce bus a été verbalisé ce même jour à la hauteur, à la sortie de Parakou par la police républicaine pour excès de vitesse. » Manama Sourou-Kouma, voilà, on parle de l'excès de vitesse pour vous. Est-ce que vous vous alliez dans cette même logique du gouvernement? Oui, c'est pas une question de logique, c'est une question de fait. Ça veut dire c'est le gouvernement a relaté les faits. Il y a eu des témoins qui ont survécu au drame, qui ont témoigné de ce que le conducteur faisait de la vitesse déjà dès le départ de Parakou et il a été verbalisé, mais il a certainement récidivé et voilà ce qui est arrivé.
Sans vous mentir, moi, je suis souvent un peu réticent par rapport à nos bus, à nos compagnies de transport, parce que c'est la course à la montre. On veut vite arriver, on veut vite arriver à destination. Ça fait que on fait des dépassements qui n'ont pas de sens. Hein, plusieurs fois, j'ai été dépassé par des bus et ça m'a fait peur sur la route. Donc, l'excès de vitesse est un problème qui est permanent et qui est commun à toutes les compagnies de transport dont les bus sont encore en forme. Les compagnies qui n'arrivent pas à faire de la vitesse, ce sont des compagnies ce sont des compagnies qu'on ne prend que lorsqu'on est on n'a pas eu de place de l'autre côté. Ce sont des compagnies qu'on prend lorsque on n'a pas assez de ressources. Voilà, donc si mais les compagnies dont les bus sont en forme font de la vitesse. C'est commun à toutes les compagnies. C'est pareil pour les compagnies de transport nigériens et nigériennes et tout ça. Donc, je pense que la vitesse, c'est une question de mise au niveau du transport et il faudra vraiment voir dans quelle mesure sensibiliser les conducteurs, sensibiliser les responsables de ces différentes compagnies pour qu'à l'avenir, à chaque fois qu'un conducteur veut prendre le volant, qu'il sache qu'il a 40 personnes derrière lui, qu'il sache qu'il a des familles, des gens il a des pères de famille avec lui, il a toute une nation avec lui et devra penser à tout ce beau monde avant de faire de la vitesse. Voilà, on dit qu'il a été verbalisé avant à sa sortie de Parakou. Mais est-ce que là également la police républicaine n'a pas failli? Parce que quand vous verbalisez quelqu'un, mais c'est de lui dire carrément, voilà, soit il ne voyage pas avec ses passagers. Je pense que ce n'est pas comme ça fonctionne. Oui. Généralement, lorsqu'on vous verbalise, on vous donne la contravention que vous devez aller payer et vous retirer vos pièces. Donc, vous êtes libre de prendre... On ne saisit pas votre véhicule. Vous êtes libre de prendre le papier et aller payer aux recettes, à la recette perception. Et vous revenez prendre vos papiers, ou si vous jugez que vos papiers ne sont pas nécessaires, vous prenez et vous partez, vous payez au retour, vous retirez vos papiers. Ce qui devait être fait. Oui. Lorsqu'on vous plaque une pénalité, vous allez vous payer, vous revenez, vous reprenez vos pièces et vous continuez le chemin. Mais dans ce cas, le chauffeur a continué. Il a continué avec parce que vous-même, vous savez, si vous êtes dans le bus et puis on le flanque, vous n'allez pas patienter qu'il sorte, qu'il aille d'abord payer et qu'il revienne prendre le bus et continuer avec vous. Les clients qui pressent les chauffeurs. Non, mais à côté de ça, oui. Si on verbalise quelqu'un qui était par exemple sous emprise d'un psychotrope ou sous emprise de l'alcool. On le verbalise, c'est vrai, il paye sa contravention, mais allons-nous le laisser reprendre le volant et puis continuer? C'est là la question. Quand on le verbalise, il fait appeler la compagnie et on change de chauffeur. Là, on sait que ce type, il a fauté, et pour ça, il a été simplement dégagé du véhicule, remplacé par un autre chauffeur. Moi, je pense que David, dans un bus, on verbalise le chauffeur, j'estime à Glasgow, par exemple, oui. Et où le chauffeur le plus proche est à Parakou ou à Cotonou, accepterais-tu d'attendre dans ce bus le temps que la compagnie envoie un autre chauffeur? Ça fait de la mauvaise publicité à la compagnie, qui désormais, pour cette boude qu'auraient fait les clients, la prochaine fois, fera en sorte que ces chauffeurs puissent respecter scrupuleusement le code de la route. Moi, je pense que c'est ça. Il faut, par tous les moyens, faire respecter, d'accord, ces règles-là à ces chauffeurs-là. Peu importe ce que les clients vont subir. Ça fera que la prochaine fois, on dira, oh, ces gens-là, non, ils nous fatiguent et on ne va plus prendre le bus. Ça fait de la publicité. Et ça fait en sorte qu'eux-mêmes puissent se reprendre et se mettre en règle vis-à-vis des textes et des lois de la République. Moi, je pense que c'est ça. Il ne faut pas laisser ces gens-là, parce que
C'est ça qui est arrivé maintenant. On l'a verbalisé, il a continué, il a récidivé. Bon, c'est ce que, on relate les rapports de l'enquête. Il n'est pas à son premier voyage, par exemple. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ce tronçon depuis bientôt. Non, depuis 2013. Vous allez voir, vous allez voir des jours où, par exemple, quelqu'un qui roule très bien, un matin va se lever à aller faire un accident. Pourquoi? Ça, c'est vrai. Allez poser une question. Sa femme ne lui a pas créé de petits bobos dans le cerveau avant de quitter de la maison? Est-ce qu'il n'a pas pris un verre de trop? Est-ce que... Et donc, moi, je me demande si il ne serait même pas bien d'aller un peu plus loin pour que ces personnes-là qui sont... qui tiennent la vie de plusieurs dizaines de personnes puissent avoir des contrôles, un certain nombre de contrôles, peut-être voir la quelles sont l'état psychologique, etc. Il faut aller vers ça. Voilà, l'excès de vitesse avec la vitesse avec laquelle a quitté Parakou, l'a conduit dans le décor à Dassazoumé. Et il faut, moi j'ai dit, les gens du Niger là, vous m'excusez, je ne suis pas truc là, les conducteurs de bus du Niger là. Oui. Il faut faire en sorte que ces gens-là puissent respecter un peu la vie des gens. C'est pour moi le moment privilégié pour faire ce coup de gueule-là. Il s'est mis suffisamment de dégâts. Même lorsque ils doivent faire des dépassements avec des bus nationaux, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Des gens roulent comme si jamais ils ne vont descendre de cette affaire-là pour un jour se retrouver à moto pour que d'autres puissent aussi puissent les traverser. Donc il faut faire attention. Honnêtement. Que les agents de sécurité, la police républicaine, prennent véritablement ses responsabilités. Que le ministère des Transports prenne réellement ses responsabilités. Voilà. Vous et moi, nous savons que quand un passager, par exemple, va prendre un bus, se dit, j'ai tel rendez-vous à Cotonou, je quitte à telle heure, je sais qu'à telle heure, je serai à Cotonou. Et vous imaginez que le chauffeur, par exemple, va peut-être à 50 à l'heure. Est-ce que vous pensez que ses clients... On ne demande pas au chauffeur d'aller à 50 à l'heure. Oui. La route a une certaine. Il y a le code de la route. Mm-hmm. Dans l'agglomération, il y a une vitesse minimale de 60 km qu'il faut respecter. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être à Dassa et rouler à 61 km/h. Mais si tu dépasses Dassa, tu es en race campagne. Tu es libre de rouler à 220 à l'heure. C'est, au fait, il y a des panneaux qui indiquent la vitesse à respecter selon la particularité de l'environnement où nous sommes. S'il y a des camions qui traversent la zone, il y a une signalisation. S'il y a des bœufs, s'il y a des piétons, tout ça, là, il y a des signalisations qui éduquent chaque usager et qui le conforme à une vitesse donnée. Donc, je pense que... si l'accident était survenu peut-être en pleine brousse, on ne lui reprocherait pas la vitesse. Parce qu'il n'y a pas une limite de vitesse. On la laisse à la conscience du chauffeur, à l'appréciation du temps qu'il fait, du climat et tout ça. Là, au niveau là où il n'y a pas de truc. Et lorsque vous roulez un véhicule, vous devez faire attention. Aujourd'hui, nous sommes en période de séance sèche, nous sommes en période de campagne cotonnière. Oui. Il y a de ces camions qui n'importe où, n'importe comment, sans aucune signalisation. Ouais. Donc, il faut faire attention à tout ça. Lorsque vous êtes conducteur avec l'expérience que lui a, il doit pouvoir savoir que ça peut arriver qu'il y ait un camion qui soit mal garé, ça peut arriver qu'un enfant traverse en pleine ville et aller doucement. Donc, je pense que tout cela devait être, pour un chauffeur de cette expérience, de pouvoir mettre ça dans la balance et savoir que je suis en train d'entrer dans une ville et là où l'accident est survenu, c'est déjà après des kilomètres de Dassa. C'est au niveau de SOS, ça veut dire qu'il est déjà dans l'agglomération il y a quelques minutes. Donc, de pouvoir ralentir. À quelque part de là, c'est le rond-point. Mm-hmm. C'est avec elle à lui, il veut faire le grand. Donc, tu vois, et il faut remarquer qu'effectivement, il y a une erreur qu'on peut nous reprocher. Même si ailleurs, pour ceux qui croient Dieu, parleront de tout cela, mais il faut que nous, les humains, nous regardons dans une glace et que nous fassions les observations qu'il faut afin d'éviter que de tels drames ne suivent. Et Barnabas disait quelque chose tout à l'heure, je vais insister là-dessus. Oui. Il est mis au bord des voies des panneaux de signalisation de vitesse. Oui. Vous savez ce qui est curieux? Une fois, je me baladais à Covey, je suis allé trouver cette affaire-là à Covey. Une voie où
j'attends près de 5 à 10 minutes avant qu'une première ou une moto ne passe. Et cette affaire-là allait rester là-bas. Mais j'étais curieux quand je regardais ça. Je vois le truc, l'écran est, oui, oui, est neutre. Mais c'est dès que quelqu'un vient, que je vois l'affaire. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Moi, je ne connaissais pas ça. Et c'est après que je découvre ça. Je dis, mais qu'est-ce que cette affaire-là vient faire ici? Vous comprenez un peu? Non, mais il y en a dans le tronçon. Il y en a dans le tronçon. Il y en a à Parakou, d'ailleurs, à la sortie de Parakou, là. Mm-hmm. Et après l'hôpital chinois. Oui. Il y en a à Sehwe. Mm-hmm. Il y en a à Sehwe. Et je crois qu'il y en a avant Cotonou. Il faut. C'est souvent implanté au bord de la voie. Au bord de la voie. Lorsque vous êtes à plus de 60 km, ça a ralentissé. Oui. D'ailleurs, lorsque vous venez, elle prend l'appareil, oui, prend votre vitesse. Oui, loin, oui, de loin. Il ralentissait, oui, ralentissait, oui, ralentissait. Et marque la vitesse. La vitesse avec laquelle vous venez. Ouais, un peu. Donc, c'est vrai. Il donc, faut, peut-être qu'il faut multiplier. Il faut multiplier cette affaire-là. Ouais. La chose que j'ai vue la dernière fois quand j'allais à Lomé. Entre Ouida, je crois que c'est entre Ouida et Komé, et c'est qu'ils ont fait des panneaux en une caricature d'homme, mm-hmm, mais en noir. Oui. Et ils ont écrit « La route tue, allez doucement ». Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Ouais. Parce que c'est comme des cadavres qu'ils ont alignés au bord de la, voie, mm-hmm, de la route, mm-hmm, pour choquer celui qui roule de dire attention, il y a des gens qui sont derrière moi là. Ouais, quand ouais, j'ai vu ça, j'ai été choqué. J'ai dit, mais ça, c'est une très belle manière de sensibiliser. De toucher vraiment la sensibilité de ceux qui sont au volant, ouais, de leur rappeler. Parce qu'il arrive qu'on oublie vraiment. C'est vrai. Il y a des fois où moi, je prends l'option d'aller doucement, de ne pas faire la vitesse. Mm. Je quitte Parakou. Avant Tchao, déjà, je me suis pris à être à une vitesse exagérée. Et je lève encore. Donc, il arrive qu'on oublie. Donc, cette disposition, si on peut les prendre en amont, elles vont permettre de rappeler à chacun que, attention, la route tue, allez doucement. C'est ça. Voilà. Et dans ce drame, justement, des personnes ont été calcinées, brûlées. Cependant, l'on pouvait sauver plusieurs personnes si les moyens roulants des sapeurs-pompiers étaient fonctionnels, car selon les informations, le moyen de secours est en panne depuis plusieurs mois, sans que l'autorité ne trouve aucune solution à cette situation. Et ce jour, il a fallu déplacer les sapeurs de Savalou afin de venir éteindre ce feu au niveau de ce bus. Manabas, est-ce que là, l'autorité ministérielle ne serait pas sur le banc des accusés face à cette situation-là? Bien sûr, autant que nous reprochons au conducteur l'excès de vitesse, à la compagnie, certaines légèretés, nous devons reprocher au gouvernement béninois le fait qu'il ait pris la vie des Béninois à la légère. Mm-hmm. Une ville comme Dassa, chef-lieu de département, ville carrefour, ne peut pas ne pas avoir une compagnie de sapeurs-pompiers digne du nom, avec le matériel qu'il faut. Mm-hmm. Et vous voyez, le même jour, le dimanche, curieusement, j'allais à Boycon, on allait à Boycon, on est tombé sur un accident de circulation qui a impliqué au même moment 4 véhicules. Un camion qui est venu cogner un minibus de l'agence pénitentiaire du Bénin, qui à son tour est allé cogner un véhicule d'un chef d'arrondissement, qui lui est allé entrer en collision nez à nez avec un taxi au même endroit. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un trou au niveau de la chaussée que les uns essayaient d'éviter. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Sur place, j'ai écrit un article pour dire que le ministère des infrastructures ne sert à rien si de tels accidents surviennent, qu'une route inter-État soit dégradée à ce point. Le ministre m'a appelé, il m'a rassuré de ce que les dispositions seront prises pour que la route. J'espère que il en sera ainsi, mm-hmm, dans quelques jours. Alors, c'est comme ça que nous allons accuser le gouvernement pour ce manque de matériel. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des magiciens. Ce n'est pas des gens qui vont venir faire des incantations et éteindre le feu. C'est pas possible. Ils ont besoin du matériel. Ouais. Et c'était curieusement à quelques pas des sapeurs-pompiers. 600 mètres. Ça veut dire quoi? Si il y avait les moyens, ils auraient pu venir à bout de ce feu très vite. Ouais. Parce qu'ils pouvaient
et rapidement se rendre sur les lieux, éteindre rapidement le feu, et on aurait peut-être pu sauver plus de personnes qu'il y en a eu maintenant. Tout ce que je peux dire, c'est que, vous savez, il n'y a pas pire châtiment qu'allant spiritualité, il n'y a pas pire châtiment que la mort par le feu. C'est pourquoi c'est la sentence qui, selon ceux qui croient à la religion, ceux qui croient en Dieu, il n'y a pas pire châtiment que Dieu ait prévu pour l'homme au dernier jour que de brûler en enfer. Et donc, que cela arrive, pour moi, c'est sur terre, pour moi, c'est vraiment douloureux, c'est choquant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Des gens qui sont décédés et qu'on ne peut même pas reconnaître. Si ce n'est peut-être des tests ADN, des trucs comme ça qui seront faits. Donc, c'est compliqué. Des gens sont décédés et leurs parents ne pourraient même pas avoir une petite cendre d'eux pour pouvoir faire leur deuil. Pour pouvoir les enterrer et faire leur deuil. C'est pas bien. Alors, parlons de cette affaire de sapeurs-pompiers. Ce n'est pas une affaire qui est seulement particulière à Dassa Zoumé. C'est un peu partout. C'est déjà arrivé ici, même à Parakou, où sur un incident, ces gens-là n'ont pas pu intervenir. Et on s'en plaint un peu partout. Donc, je pense que par rapport à l'équipement des soldats du feu, il faut que ce soit une priorité pour le gouvernement. Il faut que ce soit vraiment une priorité. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Ce qui est curieux, c'est qu'on dise qu'ils ont quand même donné l'information à qui de droit qu'ils ont le matériel qui est défaillant ou qui ne travaille pas correctement. Mais jamais, ils n'ont pas pensé à ça. Et ce qui est curieux, il faut toujours attendre le pire avant de pouvoir prendre ses responsabilités. Vraiment, je suis complètement dévasté par cette négligence-là, hein, qui a coûté la vie à des autorités, à des cadres de ce pays-là. Donc, vraiment, je n'ai vraiment pas à épiloguer là-dessus. Tout ce que je dis, c'est ma déception. C'est ma déception. Voilà, déception, mais le gouvernement, quand même, a entrepris des démarches ce même jour afin de venir en aide à ces personnes dans cette situation. Le ministère de la Santé, de l'Intérieur, de la Sécurité publique était sur les lieux de l'accident et on a mis en circulation les ambulances afin de transporter ces rescapés, de les mettre afin qu'ils puissent bénéficier des soins adéquats. Oui, mais cela pose encore le problème des équipements de nos centres hospitaliers. C'est vrai qu'ils ont été déplacés, envoyés vers les CNH, etc. Mais la vérité, c'est que, bon, est-ce que vraiment nous avons de ces hôpitaux dignes du nom? Parce que chaque jour que Dieu fait, malheureusement, il y en a qui s'en vont. Il y en a qui s'en vont. Et l'espoir s'amenuise au fil des jours, au fil des heures. Donc, pour moi, c'est le médecin après la mort. Et c'est exactement ce qui est en train de se voir là. Hein. C'est le métier après la mort. La meilleure chose à faire, c'était d'éviter que de pareilles choses arrivent. Hein, en essayant de mettre en règle les compagnies de transport, en essayant d'équiper les sapeurs-pompiers au cas où le pire arrivait, et enfin d'avoir des centres hospitaliers dignes du nom, bien équipés, capables de pouvoir faire face à ce genre de drame-là. Voilà ce que moi j'ai à dire. Face à cette situation tragique, et sans omettre les cas d'accidents mortels de plus en plus récurrents sur les axes routiers, le gouvernement béninois s'est réveillé et entend prendre des mesures radicales pour combattre le mal. Et par ailleurs, il appelle à la prise de conscience des populations afin que les règles du code de la route soient strictement respectées. Dans ce sens, le gouvernement trouve nécessaire de renforcer les mesures de sécurité routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier et annoncer plusieurs mesures dans ce sens. Barnaba Sorou, comment vous avez suivi, comme moi, le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a annoncé ces mesures. Que pensez-vous par rapport à tout ce qui a été fait comme annonce? Non, mais comme David l'a dit, c'est médecin après la mort. Mais bon, il n'est jamais tard pour bien faire. Je pense que
par rapport à ce qui est survenu, le gouvernement est également responsable de toutes ces morts que nous comptons aujourd'hui, autant que la compagnie de transport. Le gouvernement est responsable doublement, sinon triplement, parce que le gouvernement est responsable parce que il n'a pas pris des dispositions pour organiser le secteur des transports en commun. Mm-hmm. Le gouvernement est responsable parce qu'il n'a pas construit jusque-là des routes dignes du nom. Et le gouvernement est responsable parce qu'il n'a pas équipé les sapeurs-pompiers. Le gouvernement est responsable parce qu'il n'y a pas de centre hospitalier digne du nom. On ne peut pas avoir un accident à Dassa et qu'on soit obligé de transférer les malades jusqu'à Cotonou. Sur quelle voie? La route Dassa-Boïcon, j'en parlais tout à l'heure. C'est le jour-là, je revenais de Boïcon et je croisais les ambulances. Et, mais d'abord, le malade, il va mourir. On va entrer dans des trous avec lui, ressortir quelqu'un qui a des brûlures partout. Ouais. Vous pensez il peut survivre? Donc, c'est déjà un échec que de ne pas avoir à Dassa, chef lieu de département, un hôpital digne du nom pour pouvoir prendre soin d'un cas de brûlé au troisième degré, au deuxième degré, et qu'on soit obligé de l'amener au centre hospitalier universitaire départemental du Bekoto-Koumana. J'étais dans un groupe WhatsApp quand j'ai interpellé le ministère des Infrastructures par rapport à l'état de la route Boïcon-Dassa. Et il se plaignait, il m'attaquait, il a dit, bon, on attaque le gouvernement. Je dis, mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on soit là sans route. Mais Dieu seul sait combien de routes on n'a pas. Si je veux parler des deux capés, on va me dire que je passe trop les deux capés. Mais une route inter-État, Dieu seul sait combien d'hôpitaux on n'a pas. On ne peut pas avoir encore ces besoins et qu'on se permette d'ériger au même moment des statues, des monuments et tout cela, pendant qu'on a encore besoin du minimum ailleurs. Je vous faisais comprendre que moi je pense qu'il y a des priorités auxquelles on n'a pas encore fini de faire face pour se permettre ces deux luxes. C'est un luxe. C'est celui qui est rassasié qui va s'asseoir sous l'Amazon pour prendre une photo. Quelqu'un qui n'a même pas hôpital chez lui, ne nous demandez pas de don. Il y a certains rêves qu'un pauvre ne fait pas. C'est ça. Donc, il faut comprendre que leur pays est fait d'extrêmes pauvres et de personnes très riches. Mais des personnes très riches ne commencent pas à penser qu'on est dans un pays tellement riche qu'il faut faire plaisir aux riches et oublier les pauvres. Et après cet accident, le gouvernement a trouvé nécessaire de renforcer les mesures de sécurité routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier, avec notamment plusieurs mesures prises en conseil des ministres dernier, notamment la professionnalisation du métier de transporteur, la réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l'Assemblée nationale dès l'installation de la 9e législature, du projet du nouveau code de la route déjà examiné par le gouvernement et l'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Manaba Sorokouma. Oui, je pense que le gouvernement est toujours dans sa dynamique de moderniser les choses, ce qui n'est pas mauvais. Le gouvernement est ambitieux, ce n'est pas mauvais, mais l'ambition doit être proportionnel au niveau du pays, au niveau des populations que nous sommes. On ne peut pas venir placer des caméras de surveillance, de vidéosurveillance sur une route comme la route des deux capés, où il n'y a pas encore le bitume, où en saison pluvieuse, les gens sont obligés de charger les motos pour traverser. Donc, il faut faire d'abord ce qui est urgent. Mais ce qui est urgent, je suis sûr que ce ne sont pas des caméras surveillance, mais c'est de construire d'abord de bonnes routes, de desservir toutes les communes du pays avant de prétendre maintenant ériger de telles infrastructures de surveillance telles que les caméras de vidéosurveillance. C'est bon de moderniser ou bien de professionnaliser le transport ou les chauffeurs ou bien le domaine. C'est bon d'amener les compagnies de transport à se conformer, mais ce qui est plus urgent, c'est de construire des infrastructures dignes du nom, c'est d'équiper nos sapeurs-pompiers, c'est de nous construire des routes qui limitent au maximum les accidents de circulation. L'autre question qu'on se pose, c'est à quand la mise en œuvre effective de toutes ces mesures prises? Ça prendra le temps qu'il faut. Mais ce qu'il faut dire à la suite de Barnabas, je dirais, il faut faire la différence entre l'utile et l'agréable. Ce qui est utile pour l'instant,
c'est véritablement de revoir les axes routiers, le bitume, l'arranger. Hein, c'est, comme il a dit, d'équiper les sapeurs-pompiers, c'est de faire tout ce qui est nécessaire pour qu'en cas... Parce que les caméras ne vont pas empêcher les accidents. Non, hein. Du tout pas. C'est la voie gâtée qui crée les accidents. C'est ça qui pète les pneus, c'est ça qui fait que les gens vont dans les décors. Quand les gens vont dans les décors, souvent, il y a des incendies. C'est l'équipement des pompiers qui permettra d'éteindre ça. Juste que les caméras n'ont rien à voir, hein. C'est superflu, là. C'est juste pour snober un peu, hein, les gens qui ont mis cette affaire de caméra, là. Sinon, allons à l'essentiel. Et travaillant ce cas aussi, comme je le disais à l'entame de cette émission, que les bus dans lesquels on nous transporte soient tout sauf des cercueils à roulettes. Travaillons pour que désormais les affaires de surcharge et les bus usagers, les conducteurs de compagnies irresponsables, que tout ça là soit remis aussi dans l'ordre. Voilà. 30 secondes pour conclure. J'interpelle sérieusement le CNSR, le Centre national de sécurité routière, qui est une structure qui, à mon sens, hein, ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Je prends le cas de Parakou ici. Mais regardez, je ne sais pas à Cotonou, parce que j'ai été ça fait un moment, mais ici, regardez, les feux peuvent ne pas travailler pendant 2 semaines, on s'en fout royalement. Hein? Il peut y avoir 10 000 accidents à un point X, au même point là, hein, qu'ils ne vont jamais sortir pour pouvoir prendre leurs responsabilités. Je ne connais pas d'action de sensibilisation faite par le CNSR ici à Parakou. C'est pour dire que cette structure-là aussi doit être réformée ou à défaut qu'on la ferme si elle ne sert à rien. D'accord. Parce que c'est du personnel qu'on paye, c'est des choses qu'on fait là. Donc, honnêtement, il faut que cette structure-là puisse prendre ses responsabilités et exercer ses compétences. Voilà ce que moi j'avais à dire. Oui, je tiens à remercier tous les internautes qui nous suivent. Je tiens à présenter une fois encore mes condoléances aux familles éplorées. Et je demande au gouvernement de faire vraiment des efforts pour équiper nos pompiers, pour nous construire des infrastructures dignes du nom. Au CNSR, de prendre ses responsabilités pour que le contrôle soit permanent au niveau de nos as routiers. Voilà, le contrôle soit permanent au niveau de nos as routiers. S'il est urgent de situer les responsabilités, il est encore plus urgent de doter les unités de sapeurs-pompiers d'équipement, de penser à la construction justement de réseaux routiers dignes du nom. Et enfin, d'engager des réformes dans le secteur des transports en commun au Bénin. Repos éternel aux âmes des personnes disparues dans cette tragédie. Du courage aux familles proches des défunts et à la nation béninoise. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Sabu Chevet Adamou, Diane Kotoko, Suzanne Yarou. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci et à très bientôt.